En 2001 sort L'attaque de la Moussaka géante, le seul film de science-fiction gay. Contrairement à l'idée reçue, la Moussaka provient du Moyen-Orient, mais c'est la version modernisée par les Grecs en 1910 qu'on connaît et qu'on a l'habitude de manger. Et les mecs, et si on allait se pimper une petite Moussaka ce soir à la maison? On y va. Super! Cette semaine, c'est dans un restaurant français tenu par un chef libanais que Mathieu a décidé de pimper sa moussaka. Aïe. Ça va aller ou pas? Oui, je vais faire mon maximum, je vais voir. Tu vas y arriver. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Précisons d'abord qu'il s'agit d'une moussaka qu'on a décongelée la veille. Et pour le chef, ça sent plutôt le pâté. On commence par retirer la béchamel. En fait, on sépare tous les éléments. Alors, elle vaut quoi cette moussaka, chef? Aucun goût, en plus la fête qui était décongelée, ça veut dire qu'on a perdu encore plus de tous les sels, le poivre, le saisonnement. Ouais, d'accord. Ça veut dire qu'il faut recommencer de zéro. Je vais essayer à faire, pourquoi pas, une boulette et des viandes. J'adore les boulettes de viande, ben génial voilà. On commence par hacher le persil, un peu d'ail, de la fleur de sel. Ah, tout ça c'est le début d'une histoire. Moi je suis d'origine italienne, et ça, c'est les gestes ancestraux. Huile d'olive. De mon père, qui les tient de sa propre mère, ma grand-mère, de son arrière-grand-mère, etc. Les boulettes, c'est vraiment un truc de méditerranéen. Exactement. Et moi, je sais que quand ma grand-mère me faisait des boulettes, même quand mon père me fait des boulettes, c'est toujours une joie. Mais une vraie joie. Papa ? Ouais, c'était émouvant, Mathieu, mais vraiment, on s'en fout, on a faim. Une fois notre mixture préparée, on rajoute un jaune d'œuf pour lier et structurer notre viande. Toi, tu ne mets pas de pommes de terre. Pas de pommes de terre. Mon père met des pommes de terre. Ouais, on sait, il est trop fort, ton père. T'as vu comment le jette de... Ah la vache, c'est impressionnant. Là, la viande rend énormément d'eau, donc il faut rajouter de la matière, parce que sinon, nos boulettes vont s'affaisser, elles ne vont pas rester consistantes avec juste de la chapelure. Si vous n'avez pas de chapelure chez vous, pas de panique, ça se trouve farine, assez facilement. Farine. De la farine. Et sinon, qu'est-ce qui nous reste? Du pain rassis, on a tous du pain rassis chez soi, un coup de rouleau. Comme ton père, à pomme de terre. Ouais, voilà, exactement, voilà. Pour bien rouler des boulettes, il faut jouer avec pour les compacter sans trop les écraser. Pour les aubergines, on va jouer aussi la carte de la Méditerranée, à fond. Du jus de citron, de l'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, et on passe le tout au mixeur. On sent là pour le coup qu'il y a des... Pas encore fini, il y a la touche du chef. Ah! Du zeste de citron vert. Souvent, dans la chronique, vous voyez cet instrument. Ceci, mes amis, est un zesteur. On a juste le zeste. C'est ce qui permet de twister à la fin les plats ou de révéler un petit peu les plats. Troisième ingrédient de notre moussaka indus, la béchamel, qu'on va rallonger avec de la crème liquide et du piment d'Espelette. Persil séché. D'accord, ok. Si on n'en a pas, on met du persil surgelé directement. La coriandre, de la persil, il y a besoin un petit peu des herbes, pourquoi pas deux brins de thym. Voilà. D'accord. Contrairement au chef qui, pas de bol, n'a que des casseroles, pour une cuisson des boulettes au poêle, privilégiez une poêle, bien chaude. Et utilisez une cuillère pour bien les enrober et ne pas les casser quand vous les retournez. Une fois cuites, on les égoutte. Et pendant ce temps, bah dressage. On remplit un emporte-pièce de notre caviar d'aubergine. On dispose directement nos boulettes dessus. Puis on nappe le tout avec notre béchamel encore chaude. Mais ça sent super bon en tout cas. Hein. Mais putain, je sais pas. Tu veux que je te rappelle qu'est-ce qui les a cuisinés? Franchement, non mais tu sais, tu peux être fier de toi. Hein, non, parce mais... que déjà, un, tu peux être fier de toi. Et deux, on partait de loin. Je te rappelle que la moussaka, entre toi et moi, c'est une vieille histoire. Alors, il manque une petite touche verte. Là, je vais mettre une petite plante qui s'appelle mouron d'oiseau. Si chez nous, on n'a pas de mouron d'oiseau, on... Cerfeuil, persil, vraiment, il faut des verres, il faut côté végétal un petit peu sur l'assiette. D'accord, ça... Un petit peu de pignon de pain. Ouais. Et quand l'assiette est prête, ben, on déguste. Je vais te dire, le citron, c'est le premier truc qu'on sent en bouche. Il t'ouvre les papilles. Ton cumin, ton piment d'Espelette, la petite purée de persil, etc. Ça renforce, si tu veux, toutes ces odeurs, tous ces parfums typiques de la Méditerranée. Tu sais les quoi aussi, le vraiment qui est bien réussi aussi, c'est la sauce, comment on a lié, on l'a retravaillée. Hein, exactement, la crème, exactement. Les épices, tout ça. Je dis quelque chose vraiment super sincère. Ouais. Tu sais, quand j'ai vu la barquette, je dis, il va me faire tout sauf, je ne vais pas goûter ces choses-là.
sincèrement. Mais là, je m'amuse avec. T'es content de toi ou pas? Ouais. T'es fier de toi? Bref, maintenant, soit vous mangez une moussaka à 4,09€, une moussaka surgelée, quoi. Soit vous la pimpez avec du persil, de la chapelure, un jaune d'œuf, de la crème liquide, un peu de cumin, de l'ail et du piment d'Espelette. C'est guère plus cher et c'est tellement meilleur.